Alors, une vidéo pour montrer comment un élève va accéder à l'espace d'un dépôt de devoir sur le Moodle du lycée connecté, enfin de l'ENT lycée connecté. Alors, donc, il va ici déposer des productions. Là, je suis dans dans la connexion enseignant. Donc, pour visualiser ce qui se passe pour un élève, l'élève doit donc avoir, dans un premier temps, mis en ses applis, enfin où il va à chaque fois chercher, mais c'est plus simple s'il le met en favori. Il va sur le Moodle et donc il arrive sur le parcours en question. Donc là, je suis versant élève. Il va donc cliquer tout simplement dans son parcours, ajouter un travail et va téléverser son travail par glisser-déposer, hein, c'est le plus simple, dans la petite fenêtre. Il faut attendre que le document soit chargé. Donc ici, il est bien chargé. Donc il faut bien attendre qu'on le visualise. Et après, on clique sur enregistrer. Voilà, donc il est remis pour évaluation. Si l'étudiant souhaite modifier, il peut ajouter d'autres fichiers. Voilà, donc il peut ajouter d'autres fichiers et enregistrer. Alors bien penser à être patient pour que on arrive à cette page. Voilà. Donc ça, c'est la vigilance à avoir pour être sûr d'avoir déposé. L'enseignant va donc voir le dépôt. Il va consulter les travaux. Et donc il peut voir qui a déposé son travail en cliquant sur la dernière modification travail remis. Donc c'est plus simple, et voir les productions, soit en cliquant dessus, il peut aussi faire des feedbacks s'il a décidé auprès de l'étudiant. Mais quand tout le monde a déposé, il peut décider de télécharger tous les travaux remis. Donc il obtient un document zippé. Donc l'avantage, c'est d'avoir dans ce document l'ensemble des étudiants qui ont déposé.